Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc désolé si vous me voyez avec une couverture. Donc voilà, c'est parce que j'ai froid et voilà quoi. Tout le monde a froid. Parce que ce matin il fait froid quand même. Hop, je prends mon mouchoir. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Qui va être en fait la vidéo comment faire un rasoir à foin. Donc déjà bah, le plus basique hein, qu'il faut. C'est très facile à faire. Hein. Enfin, en fait on va pas le faire. On va mettre des matériaux en fait. On va le faire. Donc le premier truc hein, du foin. Voilà, c'est tout à fait bien d'en avoir et c'est très bon pour la digestion et il en prendra pour faire son lit. Donc voilà, moi c'était du parasite et bon là comme j'en ai plus, voilà, donc il y avait 1 kilo, il y avait 30 litres quoi. Donc voilà, il vous faudra aussi, donc peut-être que personne ne l'a, peut-être que il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, mais moi je l'ai. Donc c'est du ranch. Alors si vous l'avez pas, vous n'allez pas acheter le ranch hein, pour l'avoir. Hein, faut pas non plus rêver. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres trucs. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous avez pas le ranch en Playmobil, mais vous avez d'autres trucs de Playmobil. Vous l'utilisez, vous faites un râtelier, quoi. Sinon, vous faites en carton le râtelier. Hein. Voilà, mais. Je vous dis de ne pas le faire en carton parce qu'il peut le ronger et c'est pas du tout bien pour le hamster. Surtout s'il y a de l'encre. Voilà, donc moi il est comme ceci, donc on dirait un petit banc. Donc là en plus il tient, regardez, hop. Donc là il tient et moi je mets comme ceci. Voilà, comme ça. Bon, là il n'est pas posé mais je le mets comme ceci. Et là en fait je mets le foin. Donc c'est que pour hamster ou même souris, parce que les rats, le cochon d'Inde, le lapin ne va pas en prendre. Faites bien attention. Et je pense que c'est même que pour hamster humain. Parce que, ouais, bon. Bon, d'ailleurs, hamster syrien aussi. Parce que moi, je vais le mettre à mon hamster syrien. Ou à mes hamsters. Non. Mais ce qui est sûr, qu'il va être dans le parc. Bah, je pense que je vais le mettre dans soit dans la cage de Pilou, soit dans le parc de tout le monde, quoi. Voilà, donc ce qui est bien, en fait, je vais vous expliquer. Donc un râtelier, en fait, c'est quand vous mettez le foin là, et que le hamster puisse manger, en fait, ici, et que ça sort, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça, et là, vous pouvez, bah, le foin partira, quoi. Donc voilà. Maintenant, donc on a besoin que de deux choses, donc ça et ça, ou autre, même pas ça, vous pouvez utiliser genre, je sais pas, moi j'ai plein de trucs, hein, voilà, j'ai trouvé, donc c'était de Little Pet Shop, bon, c'est pas très bien hein, d'utiliser ça, mais bon, voilà, je vais me casser la tête, donc voilà. Voilà, donc là c'était un petit hamac. Vous pouvez l'utiliser et vous le mettez en fait comme ça dans le parc. Ou comme vous voulez quoi. Dans le parc ou dans la cage quoi. Et vous mettez le foin dedans et le hamster viendra en fait dedans me prendre et tout. Et voilà, donc il y a plein de moyens de faire un râtelier, mais moi je vous explique comme ça. Donc voilà, maintenant on a notre râtelier. Donc voilà, alors c'est très simple hein. Il suffit, donc je vais me protéger avec ça parce qu'on sait jamais si j'en fous partout, j'en fous tout le temps partout, et vous allez en fait glisser le foin dedans. Donc c'est bien pratique quand c'est dans un parc ou autre. Voilà, et en fait vous allez appuyer dessus pour pas que ça sorte ou autre. Voilà, ça me fait comme ceci, comme ça, et voilà. Et là vous avez votre petit râtelier. Donc voilà, vous essayez aussi de récupérer les herbes qui restent,
Je vous explique, hein, le foin c'est de l'air séché, hein, voilà. Vous pouvez bien le faire vous-même, mais il faut qu'il soit pas traité. Voilà, donc je pense que pas les herbes sont traitées. Enfin, moi, mes herbes, ils sont pas traitées et je l'achète quand même parce que. Parce que j'ai pas très envie de le faire. Et s'ils sont traités, parce qu'en fait, peut-être qu'ils sont traités, mais moi, je les traite pas, mes herbes. Mon herbe. Bon, normalement, c'est de mon petit. En fait, moi, j'habite dans un lotissement, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde, quoi. La terre, c'est à tout le monde. Je sais pas s'il y a des gens qui, qui traitent les herbes ou les arbres. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de faire bien attention. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, le hamster pourra en manger par ici. Ou même se retrouver où elle est là. Il fera comme il veut. Donc voilà, moi j'ai décidé où je vais le mettre. Ça va être dans la cage à pissou. Mais je vais en faire un. Hop là. Je vais en faire un. Je vais en mettre un dans le parc de mes loulous. Mais celui-là c'est juste pour Pilou quoi. Parce que Pilou n'a pas de râtelier. Tout le monde a un râtelier sauf lui. Parce que voilà. Voilà, je vais le mettre là-bas. Tu te réveilles mon chéri? Tu te réveilles? Il faut pas te réveiller, allez. Donc voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc il y a plein de possibilités de faire un râtelier. Moi je vous ai expliqué comme ça, mais vous pouvez faire d'autres façons. Bon allez, ciao ciao!